Yo tout le monde, j'espère que c'est bien. On va voir Samine qui est les gars aujourd'hui. Toute nouvelle vidéo de Call of Duty, les gars. Aujourd'hui, bon, du coup, les gars, vous avez votre tristesse, les gars. J'ai raté Black Smith, je suis désolé. Et voilà. Du coup, les gars, aujourd'hui, les gars, je vais vous montrer les paramètres manette sur Call of Duty saison 6, les gars. Let's go. Alors, vous avez commencé à aller dans paramètres, les gars. Manette. Vous allez dans paramètres manette, hein, les gars, commande menu. Paramètres manette, les gars. C'est manette. Voilà. Du coup, alors les gars, vous allez commencer par job. Si, alors les gars, si vous n'avez pas de palette, les gars, mettez ça. Moi, j'ai mis personnalisé. J'ai mis ça. Ça touche les deux tactiques, les gars. Or, pour si vous êtes sur la vidéo de Nano, les gars, nous officiels, les gars. De mon gars, si je vous ai bien montré, bah c'est lui là, soit avec les tactiques. Mais les gars, si vous êtes sur PS, les gars, mettez soit sous touche et de tactique, ou soit placement, déplacement. Du coup, est-ce qu'on alors on va commencer par ça, on met ça. Ça, les gars, c'est pour les joueurs, ils ont des manettes sont de clic-souris. Parce que si vous regardez, si vous mettez ça, si vous activez pas les gars, ça, bah vous devrez tirer avec les gâchettes, les gars. Exact, les gâchettes, je crois. Mais si vous mettez ça, les gars, vous avez tout tellement instantanément. Ça va, vous aurez juste appuyé bam, comme ça pour viser et tirer là. Hop. Du coup, là, j'ai mis par défaut parce que j'ai pas. Je vous reste sur la manette, les gars. Mettez vraiment 100 parce que ça va rajouter des parasites dans vos shoots, les gars. Ça va vous gêner, ça va être chiant. Zone morte, les gars, touchez à votre zone morte, c'est important. Moi, j'ai fait des zones mortes aussi. Moi, j'ai mis. En fait, très attention parce que, les gars. Il y a un problème avec les zones mortes, les gars. Si vous mettez genre à 0, 1, les gars, ça va bouger tout seul. Mettez jusqu'à que ça arrête de bouger tout seul, ce sera mieux, les gars. Moi aussi, j'étais à 40. Je mets ça à 30. Voilà. Là, vous pouvez tester vos zones mortes. C'est bien. Voilà, c'est. Du coup, maintenant les gars, on va passer dans viser à Z. Oh my god, j'ai fait les sensibilités de Nano 9-9, les gars, mais j'ai mis 10-10 parce que 9-9 c'était pas encore assez pour moi. Là, 10-10 c'est parfait. Parce que moi, il faut vraiment que j'ai une bonne sensibilité bien rapide. Là, j'ai mis 0,65, 0,65, 0,65 partout. Voilà. Là, j'ai mis standard, c'est la base. Là, j'ai mis 70. Je sais pas comment je peux vous dire ça, mais. Dynamique, les gars. Type de courbe de. Qu'on peut briser. Dynamique, les gars, c'est important. Ce sera mieux pour vous, ça. Alors, maintenant, on a mis, je pense, sensibilité de 10D. Moi, j'ai mis. Ça, j'ai mis 1,00 et j'ai mis instantané. Là, j'ai mis pas avec son. Voilà. Aide à la visée, les gars. Mettez avec parce que. Les gars, vous mettez les deux avec et Black Ops parce que. Sinon, ça va être les gars pour voir. En fait, gars. Parce que. Les gars, moi, je suis pas trop. Moi, je suis hyper nul en visée. Bon, il y a beaucoup de joueurs pro, les gars, qui font aide à la visée. C'est meilleur pour jouer, les gars. Ça va, vous allez voir, ça va vous aider à jouer. Ça va vous aider à bien viser, les gars. Ça va. Vous n'aurez pas besoin d'essayer de viser le mec. Ça va viser instantanément sur le mec. Ce sera mieux, les gars, pour vous. Mettez ça. Du coup, on passe à assistance. J'ai mis bah, assistance. Et tout. J'ai mis ça. Ouais, j'ai rien touché ici, je crois.
Gameplay, les gars, j'ai. Alors, sprint tactique automatique, les gars. En fait, sprint tactique automatique, les gars. Ça va vous aider. Non, merde, désolé, mon truc, il bug un peu. En fait, les gars, ça va. Ça, le truc, ça va vous aider à. Vous avez pas besoin d'appuyer deux fois sur votre joystick, les gars, ça va tout de suite. Ça va tout de suite aller comme ça, normal. Comme ça, regardez. Ça va, vous n'aurez pas besoin, ça va tout de suite courir avant. Un jour, les gars, je vous ferai une petite vidéo pour comment aller hyper vite. Allez, et alors, bon. Voilà. Du coup, on revient par les paramètres. Du coup, les gars, mettez sprint tactique automatique, les gars, ça va vous permettre de. Ça va être mieux pour vous. Juste avancer, ça vous sprintera. Ça, je l'ai mis avec nulle part de spirit. Dans... Déplacement automatique vers l'avant. J'ai mis ça avant. Je ne sais pas ce que ça sert. Bon, j'ai un peu recopié sur nous, les gars, parce que. Hybride, les gars. Hybride, c'est bien. Bah, il y a soit, les gars, vous mettez glisser uniquement, soit hybride. Mais moi, je joue hybride, les gars. C'est manuel, sans. Après, je vous laisse recopier un peu tous mes trucs. Je vous laisse un peu recopier tous mes paramètres, les gars. Je vous laisse un peu appuyer sur. Je vous laisse recopier tous mes paramètres. Ah, là, c'est. Bon. Je vous laisse. Voilà. Du coup, maintenant, les gars, on a fini avec les paramètres manettes. On a fini avec les paramètres manettes, les gars, maintenant. Et bien, je vais vous dire juste une petite paramètre bonus pour aller vite, les gars, pour aller plus vite. Graphisme. Alors, déjà, les gars, vous allez descendre. Ici, les gars, vous allez mettre champ de vision à 120, les gars. Ça va être important. Vous aurez l'impression d'aller plus vite. Et voilà. Là vous mettez prédéfini et large, les gars. Et 90, c'est pareil. 90, c'est large, les gars. Du coup, les gars, j'espère que cette vidéo paramètre vous aura plu, les gars. Bon, hashtag les gars, c'est Nanou, grâce à lui, les gars, que je peux faire ces paramètres-là, les gars. C'est. En fait, Nanou, les gars, c'est plus les youtubeurs que je regarde. C'est plus ce youtubeur-là qui m'aide à être plus fort, les gars. En vrai, les gars, c'est pas lui qui fait tout mon PC et tout ma console, c'est pas lui qui règle le tout. En fait, c'est lui. En fait, c'est un peu mon coaching. C'est un peu mon coach de paramètres, mais en mode. Lui, il me connaît pas, les gars. Mais c'est un peu mon. En fait, c'est. Nano, c'est le mec qui m'aide à faire des paramètres. À chaque fois qu'il sort une vidéo paramètres, les gars, je la regarde à chaque fois et je change mes paramètres. Je regarde et grâce à lui, les gars, mon niveau il a grave changé. Du coup, les gars, allez le regarder, c'est important. Et du coup, bah, les gars, moi je vous dis à bonne chose. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Allez, je vous apprécie par plaisir. Et n'hésitez pas à aller sur mes lives, les gars. En ce moment, les gars, je fais une petite pause live parce que, les gars, vous savez que moi, j'ai les cours aussi avec. Et du coup, moi, les gars, je vous dis un bon tchuss. Bye bye.